Good morning, Aleid. Nous sommes aujourd'hui le lundi Shmat, le Rabbi Shmuel ben Shlomo Zalman, Nissim ben Ahuda, Sarah Batran, Rachel Shlomo ben Esther, Shlomo Nissim ben Sarah. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhet Menachot, Perek Dalet, Mishnah Aleph. Atrelet, Ena Meakevet et Alavan, Ve Alavan, Eno Meakevet et Echelet. Tfila Shel Yad, Ena Meakevet et Shel Rosh, Ve Shel Rosh, Ena Meakevet Shel Yad. Asolet Ve Hashemen, Ena Meakevet et Yain, Ve Lo Yain Meakevan. המתנות שעל מזבח החיצון אינן מעכבות זו את זו. Ça fait déjà trois mishnayot en arrière que l'on a évoqué plusieurs mitzvot de la Torah composées de plusieurs éléments. Et le sujet, le fil directeur des trois mishnayot précédentes était d'expliquer que si te manque un des éléments, ben tu ne pourras plus accomplir la mitzvah avec le reste des éléments. L'exemple type, c'était, c'est facile à dire, quatre espèces du loulav. Si t'as qu'une seule espèce, t'as qu'un loulav, et un etrog, mais t'as pas le hadas, la harava. Est-ce qu'il y a un intérêt? Est-ce qu'on peut faire la bracha et faire les deux? Est-ce qu'on a acquitté, on s'est acquitté la maison? La réponse, non. Parce que là-bas, les quatre espèces sont me'akvot zu et zo. L'une empêche l'autre. L'une empêche la réalisation. Chacun empêche la réalisation de la mitzvah s'il n'est pas présent. D'accord? À partir de notre mishnah maintenant, pour les quelques prochaines mishnah, je crois que deux, pas plus. Un peu plus. On va voir à présent des mitzvot qui sont composés de plusieurs éléments, mais que cette fois-ci, qu'a posteriori, si on n'a pas le choix, si on est bloqué, on accomplira quand même la mitzvah avec l'élément que l'on possède. En l'occurrence, « Atrelet ena meakevet et alavan » Le fil bleu-azur n'invalide pas, n'empêche pas la réalisation de la mitzvah avec le fil blanc. Et le fil blanc n'empêche pas la raison de la mitzvah, si toutefois on n'a pas de fil blanc, avec le bleu azur. De quoi on parle, bien sûr, vous savez bien, on parle du tzitzit. Que selon la Torah, dans la vraie mitzvah initiale, à l'époque, lorsqu'on avait le trelet qui venait d'un coquillage, non pas d'un coquillage, un chilazon, qui était une sorte de poisson, pas un coquillage, c'est un poisson spécial, le chilazon. Rachid explique, c'est un poisson qui remonte une fois tous les 70 ans. Il y a toute une marloquette aujourd'hui, ça s'est répandu de partout, d'essayer de mettre ce nouveau bleu azur. Est-ce que ça marche ou ça marche pas? C'est très discuté. Concrètement, il y a quelques grands Talmidei Chachamim qui le portent, mais la plupart des Talmidei Chachamim ne le portent pas. Alors je sais pas si toutefois il y avait une mise à le faire, pourquoi ils le font pas. Personnellement, chez Kravé Lachiv, ils ne le mettaient pas. Reb Shmuel Zatzal, ils ne le mettaient pas. Donc moi, je le mets pas. Je ne crie pas sur celui qui met, je ne sais pas. D'accord. En tout cas, on a le bleu azur. Comment est-ce qu'on a accompli la mitzvah maintenant? Alors, la mitzvah, regardez, c'est très original en fait, comment c'est présenté dans la Mishnah. Nous, c'est-à-dire celui qui veut mettre du bleu azur, ouais, le fil bleu, alors il doit mettre des fils blancs et des fils bleus. Combien d'abord? Il y a sur ça une grande marloquette. Selon Tosfot, on met deux fils blancs et deux fils bleus. C'est comme ça qu'on tresse, et toute une manière ensuite de tresser, de commencer avec le blanc et de finir avec le blanc, avec du bleu au milieu. Ça s'écrit dans la Mishnah. On commence avec le blanc, on finit avec le blanc, on met du bleu au milieu. Comment est-ce qu'on fait exactement? Est-ce que par chaque groupe de trois, on met un blanc, blanc, bleu, blanc, blanc, bleu, blanc, blanc, bleu, blanc? Ou est-ce qu'on met, on ouvre, on met du blanc, après plein de bleu, et après on finit avec du blanc? Bon, il y a plusieurs avis comment faire. D'accord? Maintenant, pour notre propos, donc on va rester avec les Tosfot. C'est plus facile pour comprendre la Mishnah, c'est plus simple, en fait, qu'à la mitzvah de mettre donc le fil bleu et le fil blanc. Maintenant, une chose de sûre, c'est que ton tzitzit, il doit être composé de 4 fils doublés. Dans le trou, tu fais passer dedans 4 fils que tu doubles et tu mets le nœud, et là-bas, ça fait 8 fils au final. Ça, c'est sûr que c'est ce que tu dois avoir. Maintenant, là, toi, elle t'a dit, tu dois mettre des fils blancs, et tu dois mettre des fils bleus. T'as les deux? Mets les deux. T'as pas les deux? Eh ben, mets ce que tu as, 4 fois 4. Donc, si t'as tout, t'as le blanc et le bleu, tu mets deux bleus, deux blancs. Si t'as pas tout, t'as soit du bleu ou soit du blanc, comme ce que nous on a, en l'occurrence dans nos tzitzit, on n'a pas de trelet, parce qu'on ne sait pas ce que c'est ce trelet, si cette fois c'est pas le bon trelet, alors on a au contraire manqué à la mise à de mettre le fil blanc. Ouais. Alors de ce fait, alors dans ce cas-là, on met que du blanc, à défaut d'avoir du bleu. Si on avait du bleu, on aurait pris un fil. D'accord, c'est le principe. Ok. Donc, et celui qui a que du bleu, il n'a pas du blanc, et bien il mettra que du bleu. D'accord. C'est le principe. Atrelet. Il y a l'avis du Rambam aussi, quand même, il faut le mentionner. Rambam et Ra'avad, avec une petite différence. Qu'il faut un seul fil. Et il y a une différence que je crois que c'est le Ra'avad, lui, te dit tu fais tout le fil bleu. Je crois que le Rambam, le fil blanc, et le fil bleu, il commence avec du blanc d'un côté, mais l'autre côté, il devient bleu. D'accord?
Le bartender aurait mentionné les deux avis essentiels, est-ce que c'est 2 et 2 ou est-ce que c'est 1 et 3. D'accord. Maintenant, donc je reprends dans les mots. Atrelet, Ename, Akevet et Talavan. Le bleu n'empêche pas la réalisation de la Mishnah avec le blanc. Et le blanc n'empêche pas la réalisation de la mitzvah avec le bleu. C'est-à-dire, si t'as pas le blanc, t'as mis que le bleu, tu t'es quand même acquitté de la mitzvah. T'as fait 4 fils avec le bleu. Ensuite, on continue avec, à présent, les tfilines. Tfila shel yad, Ename, Akevet, shel rosh. La tfila shel yad, tfilin. Le mot tfilin, c'est au pluriel. Une, ça s'appelle une tfila. D'accord. Une tfila. Un boîtier de tfilin, le boîtier de tfilin de la main n'empêche pas la raison de la mitzvah avec celui de la tête, et celui de la tête n'empêche pas la raison de celui de la main. C'est-à-dire, quelqu'un qui a qu'une seule, un seul tfilin, eh ben, il mettra ce qu'il a. C'est toujours ça, c'est mieux que rien. Ouais, en l'occurrence, je sais pas, moi, comme on avait pris le cas dans les camps, jamais un crème, quelqu'un, peu importe, quelqu'un il est parti en tioul et on lui a volé ses tfilin, et par chance, il lui reste le tfilin chaliad. Eh ben, il le mettra quand même le matin. Il mettra quand même, il fera la mitzvah, ou il reste que le shel rosh, il fera la bracha, il mettra le shel rosh. Et il se contentera de ça le temps qu'il obtienne ensuite un deuxième tfilin. D'accord, on va apporter une précision ensuite sur dans le Bartanoura qui rallonge avec le Rambam. Mais pour le moment, on reste proche des mots. Donc, tfila shel yad enam akevet shel rosh, la tfila de la main n'empêche pas la raison de la mitzvah avec celui de la tête, le shel rosh enam akevet shel yad. Celui de la tête n'empêche pas la raison de la mitzvah avec celui de la main. Ensuite, maintenant, on revient un petit peu sur les menachot. Et on va parler des minchat nesachim. Non, excusez-moi. Je fais d'abord une pause. Je vous parle très rapidement de ce qu'il dit le Rambam. La mitzvah de mettre un tfilin qu'on acquitte quand même la mitzvah avec un seul tfilin, le Rambam, il précise, il s'est fondé sur un avis dans la Gemara. Le problème, c'est que cet avis, il est réfuté, mais le Rambam, il a quand même retenu la halakha. Le Bartanoura, il rallonge pour dire que la halakha n'est pas comme ça, pas comme le Rambam. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans cet avis? Il y a écrit que celui qui a a priori un seul tfilin, eh ben, il n'aura pas le droit de le mettre. Ce qu'on a permis de mettre un seul tfilin, c'est que celui qui possède les deux. Et que, concrètement, je ne sais pas pourquoi il a envie d'en mettre un, parce que l'autre, il a la flamme de le chercher, il ira le chercher demain, un peu, tout à l'heure, peu importe. Alors là, on lui dit, ben, écoute, tu veux mettre un, tu accomplis quand même la mitzvah avec un. Mais si tu n'as qu'un seul tfilin, on t'interdit de le mettre. Pour quelle raison? Comme ça, tu vas te bouger pour aller te faire un deuxième tfilin. Parce qu'on craint que si toutefois, tu vas dire, tu sais, tu peux quand même le mettre. Alors, petit à petit, les gens vont commencer à dire, bon, ça va, on peut le mettre. Le mettre sur la tête, c'est un peu trop visible, ça, le gel, le pecto sur le matin, ça me décoiffe. Donc je veux mettre juste la main. Doucement, on va tomber dans des erreurs pareilles. Et que les gens ils vont dire, bon, on va faire qu'un tefillin chaliyad. C'est bien, on accomplit quand même la mitzvah. Hein. Donc, de ce fait, le Rambam, il a dit, il est fondé sur un avis de la Gemara, Menachot Memdalet, c'est rapporté dans le Partenora, Knas, on fait une amende, on te dit, ben, tu ne mettras plus, pas de tefillin si tu n'en as qu'un seul. Si tu as les deux, et que pour une raison technique, tu transpires de la tête tout de suite, là tu veux mettre que celui de la main, ou peu importe, et bien dans ce cas-là tu mettras que celui de la main. D'accord? C'était ça pour le. C'est ce qui a arrangé le Rambam, mais le Bartanoura a conclu en disant c'est pas comme ça la halakha. Tous mes rabbanim n'ont pas enseigné comme ça, ils ont dit que celui qui a même un seul tfilin, qu'il le mettra quand même. On revient maintenant sur les menachot, minchat nesachim. Je rappelle, lorsque j'apporte un korban, la Torah m'impose d'apporter les minchat nechassim, c'est aujourd'hui Rosh Chodesh, on allait dans le Moussaf de Rosh Chodesh. Veniskeem, chatsi aïn, y a la part, vite aïn, la aïl, ben, je sais plus, kinesou, j'ai un silo sous la main, c'est parfait. Là-bas, on a lu dans Veniskeem. Je suis tombé dessus, c'est super. Veoumin chatam, Veniskeem, kimdoubar, aussi d'apporter les menachot et les nesachim, comme ce que c'est précisé dans le pasouk, qui sont shlosha esronim la part, ou shne esronim la aïl, veiseron la keves. C'est la quantité de la mincha, c'est-à-dire chaque fois que j'apporte un korban, en l'occurrence, un korban de Rosh Chodesh, si c'est un taureau, ou si c'est un mouton, ou si c'est un bélier, une chèvre, aïl. Alors, aïl, c'est le bélier, un grand ou un petit. La Torah elle m'a imposé des quantités différentes à apporter, mais quoi qu'il arrive, je devrais toujours apporter une mincha, une oblation de blé, et une oblation de vin. D'accord? Donc, en l'occurrence, 3 esronim. Isaron, c'est un siret haefa, un dixième de haefa, 7,2 log, on avait calculé, je crois. Et donc, on dit 3 fois cette dose-là pour un par, pour une vache, un taureau, et 2 pour un bélier, et 1 pour un mouton. Et à part ça, il y avait Yain Kenisko, et aussi apporter le Yain pour en faire aussi faire l'oblation de vin, où il fallait verser là-bas, dans le Misbéach, il y avait les deux trous qui allaient jusqu'au Chitin, jusqu'aux fondations du Misbéach, où ça s'est coulé là-bas, et il fallait verser du vin. Quelle quantité? De nouveau. La même dose, c'est pas précisé, c'est la même dose que lui, en fait. Ok, Veyen Kinesko, et on a fini avec le Korban Moussaf de Rosh Chodesh. Donc on apprend de là que
Chaque fois que j'apporte un corban, je dois apporter une oblation de farine, de semoule, et une oblation de blé avec de l'huile dedans. On avait appris, à la fin de la Mishnah précédente, que tu ne peux pas apporter de la semoule si tu n'as pas mis de l'huile, et tu ne peux pas mettre de l'huile si tu n'as pas de semoule. Ça, l'un empêche l'autre. Mais l'oblation de semoule mélangée à l'huile n'empêche pas la mitzvah d'apporter le vin. Ça veut dire, si toutefois tu n'as pas eu de semoule, mais tu n'as que du vin, tu veux faire ton corban, et on ne peut pas, il y a une pénurie, allez savoir qu'est-ce qui se passe, mais on a quand même le vin. Est-ce que je pourrais quand même apporter la minchat, le nisuch hayayin? Réponse, oui, c'est ce que la Mishnah m'enseigne. À solet vachemen, la semoule et l'huile qui forment une entité indissociable, eux, enan me'agvin et hayayin, n'empêchent pas la réalisation de la mitzvah de faire le nisuch hayayin si toutefois tu n'as que du vin et que eux ne sont pas là. Et inversement, velo hayayin me'akvan. Et le vin ne les empêche pas de réaliser, c'est-à-dire. Si toutefois tu n'as que la semoule avec l'huile, mais tu n'as pas le vin, tu pourrais quand même faire la minchat nesachim avec la semoule. Tu auras accompli au moins la moitié de la mitzvah. Ensuite, amatanot shal misbeach achitson, les donations, les dons de sang, donations de sang, je ne sais pas comment ça se dit, les aspersions de sang sur le misbeach achitson, externe. Enan me'agvot zoezo n'empêche pas l'une de l'autre. C'est-à-dire, dans la Mishnah précédente, on avait évoqué que dans le Misbeach HaPnimi, le Misbeach à l'intérieur du Beth Amikdash, du Echal, là-bas il y avait différentes aspersions à faire selon les Korbanot, par exemple devant chaque Tzibur, Seire Rashi Chodashi, Seire Yom Kippur, par exemple devant chaque Tzibur, aussi le Par Kohen Mashiach, ce sont des Chataot HaPnimiot, où il faut asperger le sang dans le Echal, soit entre les deux manches du Harod, soit sur la Parochet, sur le Misbeach HaTzibur. Là-bas, chaque corps, quand la Torah te donne une quantité de sang aspergé, 7, 4, où il faut le faire, tout est invalide s'il n'a pas été réalisé. Tu fais intégralement. Mais lorsque tu vas faire des aspersions sur le misbeach achitson, sur le misbeach externe, c'est-à-dire le misbeach qui se trouve dans la cour, le grand misbeach haola de 10 amot de hauteur, qui fait 20, 32 amot, 20, 28 en haut, 32 en bas, d'accord, le grand misbeach, alors là, même si la Torah t'a dit de donner 4, donc 200, 2, 2 fois 2, ouais, selon les korbanot, et bien sache que malgré tout, si tu peux donner même qu'un seul, tu te quittes quand même de la mitzvah, c'est ce que la Mishnah m'enseigne en me disant, hein. Amatanot she'al misbeach chitson, les dons de sang, les aspersions de sang que l'on fait, que l'on donne sur le misbeach chitson, sur le misbeach externe, qui se trouve dans la cour, enan me'akvot zo et zo, n'empêche pas l'une l'autre, c'est-à-dire l'absence de l'une n'invalide pas la mitzvah que l'on accomplit quand même avec le reste. Ok ? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de la Sarah Kotou. Salam.